reprendre leur partie. Putain. Toujours rien à bouffer là. Bon, mais je pêche. Y'a rien d'autre à faire. Allez, venez. Venez. Je vous attends, les poissons. Venez. Putain. Toi, dégage. Poulpe de merde. Ah, y'en a un. Oui. Ah, ben, t'es déjà là. Ah, ben, ah, vous êtes là. Vous me regardez en train de pêcher depuis tout à l'heure. Fallait me prévenir, espèce de caméraman de merde. Caméraman de mes pieds. Voilà. Bon, les amis. Ok. Puisque vous êtes là, on va se diriger vers chez moi d'abord. On y va. Dans cet épisode, on va... déjà, on va construire notre... comment ça s'appelle en fait? J'ai oublié. On peut voir là-bas nos moutons qui sont tout multicolores, ça fait rire. Bon, crafter ma table d'enchantement, voilà, c'est ce que je voulais dire. On essayera toujours désespérément à dropper un légume à un creeper, comme ça on est bien au niveau de la bouffe. Hop, il m'a rien droppé à part de la chair putrie, merde. Et c'est pas vraiment ça que je veux. Tout ça je le ferai en off, enfin quand je chercherai vraiment. Et ben si je fais en off et que je trouve toujours pas, et ben tant pis pour moi. Hein. Alors, l'élevage. On va s'en occuper un peu. Tac, allez, ferme-toi. Qui on pourrait tuer? Déjà, est-ce qu'on a du blé sur nous? Non, on n'en a pas. Oh, poisson clown. Ça a l'air bon, ça. On a du saumon, on a 6 poissons crus. Bon, voilà, on est déjà bien. On va se faire des petites chaussures. Bon, alors, d'après ce que le caméraman m'a dit, déjà, vous êtes nombreux à suivre cette aventure. Face aux autres aventures de la chaîne, oui, bon, il y a pratiquement le double des commentaires sur... sur cette aventure que sur les autres. Allez, viens, tu veux te battre? C'est toi qui as cherché, hein. C'est celui qui cherche qui trouve, hein. Tac, ok. Bon. Alors. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais me faire des pieds. Des pieds. Voilà. Je vais me faire des pieds, c'est dit. Non, je rigole. Des bottes en fer. On m'avait dit de rendre. Alors, bon. C'est vrai, il faut que je dis tout ce qu'on m'a dit de faire. Alors, je vais le faire. Je vais faire certaines choses. Peut-être d'autres choses non. On verra. Déjà, ça on me le. On le met sur moi. Voilà. Bon, alors, on m'a dit de mettre des rondins de bois ici. Alors, désolé à cette personne. Je sais pas comment tu t'appelles. Désolé à cette personne, mais je vais pas le faire. Parce que de 1, je trouve ça moche. Et de 2, cette base, elle est que pour maintenant. D'ailleurs, cet épisode sera... attendez. Ça, il faut voir si on a un bon niveau de pierre. Alors, oui, bon, c'est bon. Dans cet épisode, nous allons nous faire une base un peu mieux. Nous allons déménager dans un endroit un peu mieux. Nous allons nous faire une mine, une bonne mine, etc. On va faire plusieurs choses. Il sera plutôt basé, cet épisode sera plutôt basé sur, franchement, je sais pas trop se baser sur quoi. On va plutôt se baser sur... je sais pas. Franchement, je sais pas. On le verra. De toute manière, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Bon. Alors, je vais chercher en off un bon endroit à côté, genre où il y a un biome jungle et tout. Déjà, il faut que je regarde mes coordonnées. Ok, alors. Mes coordonnées, je vais les noter sur un panneau. Non, si je le note sur un panneau, c'est un peu con. Oui, même très très con. On va plutôt le noter sur un papier qui est à côté de moi. Bon, pour l'instant, vous voyez un écran grand coffre. Tandis que moi, j'en train de
Si le caméraman me filmerait à moi, ça serait plus simple pour vous de regarder, de me regarder. Mais bon. Donc, alors. J'ai pas envie que vous me regardez, donc voilà. Mes coordonnées, alors. Mes coordonnées. Quelles sont mes coordonnées? Alors. Voilà. C'est ici. C'est X, Y, Z. Donc, on note. 166. 169. Ok. Après il y a 64,0000. Après il y a 416,259. Ça on s'en fout un peu, mais bon, je le note quand même. Bon voilà, maintenant que c'est noté, on va pouvoir partir à l'aventure. Mais avant, on va s'occuper de l'agriculture là. D'ailleurs qui est mauvaise pour l'instant. Aussi on va ajouter les cannes à sucre. Comme ça c'est un peu mieux. On va prendre toute notre chair putréfiée, ça peut toujours servir. Donc notre bouffe. Est-ce qu'on a de la bouffe? De la viande quoi? Est-ce qu'on a un peu de viande? Ah oui, on m'avait dit le caméraman m'a dit que une personne m'a dit que un seau de lave peut cuire 100 objets. Je suis pas sûr que j'ai lu tous les commentaires, mais c'est à peu près les choses importantes. Ah oui, une petite dédicace à une personne sur mi-verte qui se reconnaîtra, fume d'ado, cette personne sur mi-verse, parce que oui, sur mon téléphone, je suis encore connecté à ma 3DS. Par contre, je ne peux pas aller sur autre réseau social que mi-verse. Donc si vous voulez me contacter, c'est soit sur YouTube que le caméraman va me passer les réponses, ou sur mi-verse, si vous avez une 3DS ou une Wii U. Moi, perso, j'ai mon téléphone. Et je peux me connecter avec mon téléphone. Car oui, on peut se connecter sur ordi, téléphone ou autre. Sur pour Miiverse. Bon alors, je cherchais de la bouffe. De la bouffe. De la bouffe. Il me faut de la bouffe. Il y en a pas là. Il y en a pas là. Bon, je suis vraiment à sèche. Ah si. Là, il y en a. Ça va être peut-être suffisant. Bon, donc on va cuire un peu tout ça. Est-ce qu'on a du charbon? Ok, on en a. Pendant qu'on cuit tout ça, on va se faire. On va se faire quelque chose que vous attendez tous. Tac. Tac. Est-ce qu'on a du cuir? Ah mais non, on n'a pas de cuir. Bah oui, je suis bête. Il me faut du cuir. Bon, on le fera après la table d'enchante. Hein. On s'occupera de tout un peu. Un peu après. Pour la... Il me faut un livre. Il me faut un cuir pour faire un livre en fait. C'est pour ça que je veux un livre. Bon, on va poser tout ce qui va pas me servir. Quoique ça, ça va me servir. Canne à sucre, on le garde, on va le planter après. Sans pause. Tac. Tac. Ça, on va garder plutôt. Ça, on pose. On pose. Tac. On pose un peu tout ce qui nous sert à rien. Comme ça, on est un peu tranquille. On pose ça. Briquet, on va le garder. Le diamant, on va le poser. Le seau, on va les garder, les seaux. Ça, on garde. Ok. Ça, on pose. Ça va pas me servir à grand chose. Ça, on peut garder. Quoi d'autre? On prend un peu de bois sur nous, ça peut toujours servir. Ensuite, bon, voilà. Hein. Je pose ça. Alors. Que tout a cuit. Ok, tout a cuit. On va cuire un peu de viande maintenant. Prends la moitié et on la cuit ici. Ok, il reste encore un peu de lego de fer. Tac, ok. Bon. Pour l'instant, on va s'occuper de l'agriculture. On va casser ça à la main. Pour pas être des gros bourrins qui cassent ses plantations à l'épée, hein. On casse ça et on casse ça. Ok. On se fera des machines à agriculture. Des gros. Non, qu'est-ce que je fais? Moi, il faut planter des graines. Le blé, c'est pour moi. Oh, ben, ça poussait juste devant moi. Cool. On casse ça. Puis ça. Ça aussi. On se casse ça aussi. Et voilà. Agriculture d'occupé.
On se fera des géantes agricultures qui feront environ le regardez. Cette ligne-là, non, tout ça, ça sera le quadruple juste pour du blé. Donc voilà, on en aura quand même beaucoup, on sera bien plus tard. Ça c'est mon enclume que j'ai toujours pas utilisé. J'en ai toujours pas très besoin. Il me faut des livres d'enchantement pour que je m'en utilise et puis d'autres choses. Ok, ça cuit. Tac. Ok. Bon, on va pouvoir y aller. On va chercher un emplacement pour déménager. Donc on commence à bouffer avec de la chair putréfiée. Oh, c'est magique là. Je peux pas continuer à manger. Deux coups, j'ai mangé deux fois de la chair putréfiée. Ça m'a même pas donné faim. C'est quand même un truc de malade qui vient de se passer. Ok, bon. Ok, bon, on peut courir. Donc maintenant qu'on a noté les coordonnées, on n'a pas vraiment peur. Bon, c'est parti. On cherche un petit emplacement. Ouh, là, c'est là. C'est un élevage de moutons naturel, c'est ça? On va les tuer. Parce qu'on n'en a rien à faire. Tac. On les tue tous. Pas de pitié. Rien à foutre. On va pas déménager trop loin non plus. Là surtout je visite un peu ce monde parce que je suis pas trop sorti hein. Regardez. C'est quand même joli hein. Joli paysage. Bon, on va enlever les coordonnées. Parce qu'on en a plus trop besoin. Si on trouve un. Oh! Oh lolo! Eh ben écoutez, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Oh mais putain, elle m'a même pas donné de. Elle m'a même pas donné de cuir. Ah. Toi, tu me donnes un. Il en faut, je sais pas combien. 3, je pense. 3 cuirs. Oh, mais viens là. Viens. Viens là, espèce de vache. Ok. Ça m'en fait déjà 2. Espérant qu'elle va m'en donner un cuir. Allez, donne-moi-en. Ah, mais il court un peu partout. Hein. Ok, c'est bon. On est bien pour le cuir. Il y a quoi dans cette montagne? Il n'y a rien. À part de la pierre et de l'herbe verte marron moche là, l'herbe toute moche. Ok, on a nos outils sur nous, ça va nous aider. Tac. On se fait un petit escalier pour monter. On va prendre notre pelle, ça sera un peu plus pratique. Même beaucoup plus pratique. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a rien, j'en suis sûr. Si on trouverait un truc qu'on a jamais trouvé, ça serait bien. Ok, là on peut voir de haut la mer. Bon, il y a vraiment rien du tout dans cette mer. C'était pas cette mer là qu'on avait vu, qu'on était allé, je veux dire. Hop, on prend notre épée qui est très usée. Danger pour moi. Regarde-moi ça, ils m'ont vu. Oh, imaginez. Ils me drop de la nourriture. Toi là, drop-moi quelque chose. Et donne-moi ton épée si possible. Bon, tu peux pas. Elle a quoi cette araignée? Elle a pété les plombs. Allez, viens. Drop-moi quelque chose, toi. Vas-y, drop-le-moi. Non, tu veux pas. Vous êtes tous trop méchants, c'est ça? Alors. On a trouvé un nouveau type de monde. Comment dire? Genre forêt, plaine, etc. Ah ben, cool. J'ai plus mon épée, parfait. Je vais devoir me battre à la pioche. Pas très amusant de se battre à la pioche. Oh, le mini zombie avec sa mini épée, son couteau là. Putain, j'ai pas d'autre.
On va prendre la hache. Parce que la hache, elle a plus de points d'attaque que la... Que la truc là. Bon, alors. Voilà. L'hache est beaucoup plus pratique que la pioche. Explose toi, je m'en fous. Alors là-bas, il neige. Oh, lui. Lui, il est bien équipé, hein. Il est au chaud. Allez, viens. Je te bute. Dégage, c'est ça. Oh, c'était ici qu'on était allé. Donc, on était arrivé ici. On va... bon, j'ai vraiment peur d'y aller. Pour cause de perdre mon stuff et tout, là. On mange un peu. Est-ce que j'ai un arc? Non, j'ai pas d'arc sur moi. Donc c'était ici qu'on avait perdu notre stuff. Ouais. Vous voyez? Notre ancien stuff. Notre vieux stuff. Oh, il y a une épée. Oh, mais c'est excellent ça. Il y a une épée. Bon, on va virer un peu tout ce qui nous sert à rien. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait virer? Putain, j'ai pas envie de virer de ça. Je vire. Attendez. On va faire comme ça. Tac. On vire tout ce qui nous sert à rien. J'ai eu beaucoup de viande, en... même pas avec l'élevage. Alors, on va virer ces plumes. Oui, ces plumes. Tac. On vire ça. Oh, si, j'ai un arc. Par contre, j'ai pas de flèche. C'est un peu nul. Qu'est-ce qu'on pourrait virer d'autre? Bon, on va virer ça. On vire quoi d'autre? Ça. Puis ça. Puis voilà. Hein. Et ça. Oh. Regardez, il y a des... Il y a ce qu'on voulait, en fait. Ok, bon, maintenant qu'on a un peu de tout, on a même des torches, on va les poser. Voilà, comme ça on a un peu de lumière. Alors, on voulait ça. Bon. Bon, écoutez, on va noter les coordonnées de cet endroit. Comme ça, si je perds mon stuff, c'est pas un problème. Donc c'est parti. On note. Alors. Moins 403 300 66 66,000 et enfin 244,700. Voilà. Bon, comme ça on peut y aller. Bon allez, cette fois-ci j'ai pas peur, on va prendre notre épée. Cool, en plus elle est même pas usée. Si c'est pas magnifique ça. Par contre c'est un peu profond. Oula, il y a un laser juste devant moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent pas à me toucher, ces bestioles là. Oh, ça fait mal. Wow. Eh ben. On va essayer de casser ça, si ça se casse. Où je suis là? Putain, je vais perdre tout mon stuff. Bon, vaut mieux s'enfuir. Vaut mieux s'enfuir. On s'en fout. Je vous touche pas, les amis. Au moins, je pose...
Qu'est-ce que je voulais dire? Je pose. En fait. Je m'y retrouve plus, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon. Maintenant que j'ai les infos. J'ai les coordonnées de cet endroit. J'y retournerai quand je serai moins stuffé. Avec. Bon. Avec. Il y avait un trailer sur la chaîne de Mamla Zizou. Avec écrit explorateur sous-marin. Non, pas avec écrit. Avec une séquence où il y avait. Je serai explorateur sous-marin ou je ne sais plus quoi. Ça date un peu, il y a environ 2 mois ou 1. Ben, ça fait partie des explorations sous-marines. Hein. Qui a l'air superbe. Seulement, je suis pas assez stuffé, je suis pas assez protégé, il me donne des coups. 6 coups, c'est la fin pour moi, quoi. Je crève. C'est fini pour ma gueule. Bon alors, le poisson il arrive. Ah il arrive, je vais te demander. Putain, je me suis failli. Bravo. Bravo le... Piu. Ouais, ils sont encore là, j'entends les... Chuit. Ces bruits là, ça signifie qu'ils nous lancent des lasers, ces enfants. Voilà. 166. Ok, c'est bon. Plus besoin des coordonnées. Bah alors nous on était passé par... Attendez que je me rappelle. Alors. De là jusqu'à là-bas. On va faire maintenant de là jusqu'à là-bas. Ça va être mieux. Bon. On va poser un peu de notre stuff. Enfonce. Là-bas il y a notre nether. On ira dans un autre épisode. Peut-être le prochain, on verra. On va en profiter pour faire. Est-ce qu'on en a? Ok. On a de la canne à sucre. On va d'abord faire nos plantations de canne à sucre. Bon. On va en faire des vraiment toutes petites. Pas de grandes plantations de canne à sucre. Tac, un là. Et un là. Non. Même pas, juste un. Non, c'est trop peu je trouve. On va en essayer d'en faire 4 pour l'instant. Plus tard je vais en ajouter quand j'en aurai un peu plus. Voilà, c'est parfait. Bon, voilà, on retourne à la maison. Donc du coup, on va dormir avant d'y aller. Bon, on va crafter... Eh ben ça, notre table d'enchant. Alors, avant tout, il nous faut du papier. Voilà, on a du papier. Est-ce qu'on a du cuir? Oui, on a du cuir. Alors, il nous faut un papier et 3 cuirs. Ah merde, c'est pas comme ça. Peut-être que c'est le contraire, hein. Putain, dégage toi. 1, 2, 3. Voilà, c'est le contraire. Et voilà, un petit livre. Ça me saoule un peu. Tac, on va poser un peu du stuff. Pas là. Ici. Tac. Voilà. Ça me casse pas la tête. Bon, voilà, il nous faut de la bedrock, de l'obsidienne, j'arrête de me confondre. Obsidienne, livre, 2 diamants, et c'est tout. C'est parti. Hop, on pose les diamants, et c'est fini. Ok, et voilà. On a une belle... table d'enchantement. Donc là, si on pose du lapis-lazuli, on a des enchantes. Donc là, on a tranchant 1, solidité 1, unité de lapis-lazuli. Ça, en fait, ça montre les unités de lapis-lazuli qu'il nous faut. Bien, attends.
Donc là, il fait nuit. Donc on va couper ça au montage, n'est-ce pas, caméraman de merde? Oui, de merde, je m'en fous. Ouais, ouais, pète un plomb, je m'en fous. Et pendant qu'il coupera, moi je vais me battre contre des zombies. C'est parti. Bon, bah, re tout le monde. Voilà, je vous retrouve, ben, comment? Avec une explosion de creeper de merde qui pue la merde. Qui pue. Voilà, ok, on se calme, hein. On va se calmer. Bon, on va reconstruire toute cette merde. Il arrive le mec qui me pète à la gueule. Ce clochard. En plus, ça me donne le quart de ce qu'il a pété. Ça, je trouve ça abusé. On en a rien à faire, on fait ça avec la pierre. Je sais, c'est très moche, mais on s'en fout de cet endroit. Bon, allez, on laisse comme ça. Rien à foutre de cet emplacement, de toute manière. On va déménager. Bon, alors. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, oui. Mon résultat, c'est je me suis fait buter par un creeper à un moment, donc ça m'a fait perdre la moitié de mes XP, très déçu. En plus, quand vient d'avoir la table d'enchante, j'ai eu ça. On m'a rien droppé, c'était de la merde. Bon, on va tout de suite filer là-bas pour essayer de trouver s'il y a un bon endroit. Allez, c'est parti, on prend notre épée à la main. Et on y va. Alors, une forêt à traverser, c'est ça? Oh oui, une forêt. Ils aiment bien la forêt, eux. Oh. Ouais, bon, je pense qu'on va faire demi-tour. Je vous laisse ici. Je ferai demi-tour en off, ça sert à rien. Bon, on va terminer l'épisode là. On a quand même fait une table d'enchante. On a récupéré beaucoup de choses et tout. Wow, toi tu me pètes pas. Il y en a deux là, c'est trop dangereux. Parce que si je meurs ici, non, ça le fait pas. Je vous laisse ici. Je vais sauvegarder. Puis je retournerai là-bas en off. Et je ferai plein de trucs sans vous. Parce que comme ça on avance un peu. Et c'est mieux pour avancer vite. Bon voilà. Ciao tout le monde.